vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Coucou mes choubidous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal de petites choses. On va faire un petit vlog. Je fais jamais de vlog. Donc, je vous montre ça. Tout d'abord, j'ai ma commande qui vient d'arriver de La Belle Vie. Donc, il faut que je la range. Mais en même temps que la commande arrive, j'étais en train de ranger ma salle de bain. C'est un vrai foutoir. Et quand je vous dis que c'est un foutoir, c'est un foutoir. Alors, comment vous dire que, voilà, vous allez me voir ranger, hein, puis après, je rangerai les courses. Voilà. Balai, on va le mettre là. Ça, c'est la chaise à Heidi. Et là, je suis en train de ranger. J'ai mes pinceaux, j'ai mes brosses. Je le fais régulièrement au printemps, mais bon. Alors, je récupère plein de caisses. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je n'ai pas de micro. Ça, je jette. Voilà, une caisse que j'avais achetée chez Ziman. Je l'avais payée 1,99€. Et je vous assure qu'elles sont super pratiques, ils en ont encore. Il faut donner un petit coup dessus. Un petit coup dessus. Allez, hop. Là, vous voyez ranger, hein, mais c'est pas mon... Mais je me dis, allez, j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de faire d'autres vidéos. Voilà. Et voilà, la caisse est propre. J'en ai récupéré une deuxième pour vous dire, parce que je réorganise tout. Je fais ça 2 fois par an. Et avant, quand j'étais vraiment en pleine forme, c'était 1 fois tous les mois. Et je faisais toute la maison, hein. Je défaisais tout, hein, les meubles et tout. Mon fils, il me disait, mais maman, pourquoi tu défais tout? Ça sert à rien. C'est pour remettre à la même place. Vous voyez ça, je vais le mettre ici. Je vais en mettre un là parce que j'ai des trucs là qu'il faut que je mette absolument. Là, j'ai des petits vernis. Si je l'avais fait, j'avais trié mon make-up une fois. Voilà, j'ai des petits vernis comme ceci qui ne vont pas aller là, qui vont aller dans la chambre. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que je mettais là, je m'en servais pas parce que malheureusement, je vais dans la chambre. J'ai tout mis ici et alors en fait dans la chambre, c'est là où je vais tout le temps. Allez, hop, je dors pas dans la chambre. Hein. Ensuite, attendez, vous savez quoi? Je supporte pas. Hop, hop, hop. Et voilà. Et voilà. Là, vous voyez à l'arrache. Je ne me suis pas maquillée encore. Donc, alors, je voulais vous dire qu'il y a des choses qui me choquent. Je sais que ça ne me regarde pas. Je sais que... Mais comment une personne peut demander, mettre un PayPal et lui demander qu'on lui donne de l'argent alors qu'il y a des personnes qui font ça et que ces personnes-là, vous les voyez, elles font à longueur de journée, elles font des... Enfin, tous les jours, elles font des hauls actions, des hauls machin, des hauls trucs. Elles passent leur vie chez Action. Je veux dire, quand t'as pas les moyens, je vais être méchante, hein, mais quand t'as pas les moyens, tu vas pas chez Action, quoi. Ou alors tu vas une fois par mois, mais pas plus. Hein, et sans compter tous les autres trucs, quoi. Donc moi, ça me choque, voilà, ça me choque. Je suis comme ça, voilà. En plus, tout m'énerve parce qu'il y a le confinement qui va certainement arriver. Normalement, je dois retravailler, j'espère, mais... Enfin, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux quand même, et c'est ça le plus important pour moi. Alors ça, c'est quand je faisais du sport. Vous voyez, Nadège, je sais, si tu regardes, tu m'as éclaté de rire. Je faisais du sport et j'avais ce cadenas pour... je le mets là. Ensuite, vous voyez, on avance. Ça, c'est des cotons-tiges. Oh mon Dieu, les cheveux. Acceptons-nous tels que nous sommes, on s'en fout. Que nous sommes, on s'en fout. Les cotons-tiges, alors c'est pas pour moi. C'est pas pour autre chose, c'est pour Ivy. Parce que j'enlève les cotons et elle joue avec pendant des heures. Donc ça, c'est un truc... Alors, regardez, ça, je l'ai acheté, je ne l'ai pas payé cher. Hein. Je l'ai payé 1€. Hein. Je ne m'en sers pas, je l'ai acheté à Action il y a un petit moment. Mais il va falloir que je trouve une solution, peut-être pour faire une petite salade... Et regardez, ça c'est typique les achats qu'on peut faire, compulsifs on appelle. Mais on peut guérir du compulsif, je vous le dis, hein, moi je m'en suis guérie. Hein. Voilà.
Tout simplement, il faut le prendre sur soi. C'est très, très dur. J'ai mis longtemps. Bon, je suis suivie aussi par une psy, hein, mais j'ai mis très, très longtemps avant de... de comprendre qu'il fallait que... Bon, j'ai fait des émissions de télé aussi. D'ailleurs, il y en a une qui va passer bientôt. Je vous le dirai. Alors, hop, hop. Ça, c'est du Parwex. C'est pour les gencives. Parce que comme je prends un médicament, bah, le médicament me fait du mal aux gencives. Ah ouais. Ça, c'est les brosses. Comme ceci. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais enlever tout ça. Et je vais prendre une comme ça, si ça passe. Yes, ça passe, tranquille. Tranquille, le chat, tranquille, tranquille. Voilà, ça passe. Donc, ça, c'est... Voilà. Alors, du coup, je vais mettre ça comme ceci. Ça, ça va ailleurs. Hop, alors moi qui pensais ne pas avoir de ciseaux, vous allez rigoler, regardez. Je cherche toujours mes paires de ciseaux. Alors, c'est abusé. C'est abusé. C'est dans une boîte Birchbox. Voilà. Du coup, ça, je ne mets pas tous les médicaments que je n'utilise pas. Parwex, on va le mettre ici parce que c'est des choses que j'utilise tous les jours. Ça, ben en fait, je m'en servais pour moi, mais je me suis aperçue que ça m'irritait. J'en ai marre, je fais des allergies à tout. Aloe vera, en fait, ben, je... Non, ça ne le fait pas. Du coup, je nettoie mes toilettes avec. Parce que pourtant, c'est de l'aloe vera. La pince, on va la mettre ici. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais donner un petit coup avec mes lingettes. Là, j'ai mis... Vous savez, moi, c'est un petit appartement, hein, donc il faut que je m'organise. Hein. Voilà, comme ceci. Et hop, voilà. Mais j'ai pas envie de partir parce que je paye pas cher. Et je ne pourrai pas quand j'aurai ma retraite. Et dès l'instant où je vais avoir ma retraite, j'ai un petit coup là. Je suis rarement par terre. Hein. Voilà. Alors j'hésite parce que... Alors ça, c'est mon bain moussant que je me sers tous les jours. C'est ceci, je l'ai acheté en pharmacie. C'est tout simplement un gel pour les mains. Donc que je vais mettre là. Mais du coup, je vais tout chambouler. Ça, c'est un déodorant que je ne me sers pas, que j'ai acheté. Et ça, c'est un nettoyant You qui est très, très bien, désinfectant. C'est parfait. C'est parfait pour le nettoyage. Il y a des recharges, ça se vend par recharge. Franchement, il est génial. Donc, celui-là, il va là. Ensuite, ensuite, ma brosse qu'il va falloir que je change. Ensuite, nous avons tout un merdier là. Alors là, on a richesse, je ne le mets pas. Alors là, on a une poignée, mais la poignée, je vais la mettre. Parce que j'en ai absolument besoin de la poignée. Parce que je ne sais pas ce qu'ils sont passés, mais dans le vide ordure, ils ont carrément enlevé la poignée. Je l'ai déjà dit plein de fois. C'est une petite mémé à côté qui est très gentille, mais bon, voilà, elle est mémé et du coup, elle a peur de tout. Mais c'est pas à elle, c'est à tout le monde. Mais bon, gel hydroalcoolique, il est vieux, c'est tout au début, ça il a un an. Ça, c'est pour mettre dans les cheveux. Moi, je l'ai mal mis. Hein. Voilà, ça aussi, c'est pour attacher les cheveux. Donc, tout ça, bah, je vais les mettre là. Voilà. Ça, c'est du pousse-mousse. Mais depuis que j'achète celui-là, hippo machin. Alors là, c'est un crayon marron que je vais mettre là. Après, je vous explique. Hein. Alors, du coup, le parfum, on va le mettre là. Ah, voilà ce que je cherchais depuis longtemps. Figurez-vous qu'au travail, j'avais demandé si je pouvais avoir des papiers pour qu'Ivy puisse faire des boulettes. Alors, je l'avais mis là et je ne sais pas où je l'avais mis. Pardon pour le bruit. Ensuite, bah, du coup... Lingette, ça c'est les petites lingettes d'Action à 90 centimes. Lingette, et hop. Comme ça en même temps je parle avec vous. Alors parlons du confinement. Moi je trouve que j'ai écrit à monsieur Macron sur mon Instagram. Je ne sais pas s'il va me répondre, ça m'étonnerait. Mais j'aimerais bien, j'ai peur de rien. Je lui ai dit, on n'en veut plus de la poudre de perlimpinpin, on veut des bonnes décisions et des vraies décisions.
On veut pas un coup oui, un coup non. Nous, on veut savoir. Arrêtez de jouer avec nous, on n'est pas des yoyos. Voilà. Enfin, j'ai dit un truc comme ça, mais j'étais très correcte parce qu'il faut être correcte. Ça sert à rien d'être insolente. Voilà. Donc, je préfère. Voilà. Donc ça. Voili, voilou. Alors, je vais le mettre de ce côté-là. Ça va peut-être pas tenir si pile poil. Pourquoi ? Parce qu'Ivy, elle monte là et après, elle monte ici. Elle monte là et du coup, là, et ben après, elle va boire. Donc, je lui laisse la place. Ensuite, ben, vous allez voir, hein, je baisse. Hein. Vous allez peut-être plus me voir, mais au moins, vous allez voir. Attendez, comment je peux faire ? Moi, j'ai pas d'outils. J'ai pas d'outils super, je m'en fous d'ailleurs. C'est pas grave. Hein. Alors, je cherche pas à avoir la reconnaissance. Hein. Bon, ça, c'est un gobelet, mais j'en ai plus besoin. C'est que j'en avais acheté. Mais j'ai acheté un autre truc que je vais vous montrer. Voilà. J'avais ça, il y avait des petites pierres dessus. Attendez, c'est pas évident hein, quand on n'a pas l'outil, on n'a pas le machin, on n'a pas. J'ai le trépied, il s'est cassé. Alors j'ai payé 30 euros il y a un petit moment. Il est hors de question que je rachète un trépied. Donc, ouais, franchement, j'aurais dû le dire à Amazon. Hein. Le truc, il s'est cassé. Bah, celui-là, c'est de chez Action, c'est pas mieux. Non, il est mieux quand même. Attendez, je vais le caler. On va y arriver. Voilà. Voilà. Waouh, c'est compliqué. Alors, voilà, j'avais ceci. Dedans, il y avait une petite bougie. Vous voyez. Et moi, j'ai trouvé ceci à Action. Et du coup, je l'ai pris. C'était en... Je ne sais plus quoi ce que c'est. Hein. Et voilà, et j'en m'en sers comme ça. Alors, on ne voit plus le Bouddha, mais au moins, je m'en sers comme ça. Et je le mets, je vous montrerai après. Ensuite, ben, ouais, vous voyez, pas. Bah, ça m'énerve parce que c'est compliqué à gérer tout ça. Voilà. Ça, ben, c'est tout simplement une petite trousse que j'ai eue quand je faisais la Birchbox, mais je fais attention, je ne suis plus, je deviens plutôt éco-responsable, donc je fais attention et je n'achète plus de box, ni la Birchbox, ni la Beautiful Box, rien, voilà. Parce que bien souvent, ce sont des produits que j'ai déjà et du coup, je m'en sers plus, donc ça sert à rien. Donc celle-ci, comme ça. Là, c'est une petite lingette. Parce que j'ai tout foutu en l'air par terre. Comme ça. Voilà. Hop, je vais mettre là. Ça aussi, c'est pour laver par terre. Pour laver les carreaux. Ça, je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais mis. Donc, ça va aller là. Vous verrez après hein, quand je vais ranger. Là, j'ai encore tous les masques et tout ça à ranger. Ça, c'est mon ex-mari qui me l'a fait acheter, mais pour l'instant, non, qui me l'a acheté, mais pour l'instant, on ne l'a pas posé. C'est un truc ventouse. Vous savez, après, on fait avec les moyens du bord, je vous le dis franchement. Ça, ça n'a rien à faire là. Bah oui, parce que je l'avais mis là. Ça aussi, ma poubelle. Ça, ça a plus d'un an, c'est ouvert, c'est de chez Lancôme. Moi, je fais aucun, je tente pas le bien ni quoi que ce soit. Météoxane, de gélules, je sais pas ce que c'est, Météoxane. Voilà. Voilà, ça pour l'instant. Ça, c'est du Flector. Et là, du coup, je me suis dit, je vais mettre ici, vous verrez après, les petites lingettes désinfectantes qui sont importantes. Voilà, je vais les mettre là. Parce que quand j'arrive ou quand ceci, on va le mettre derrière. Moi, ce qui est ouvert, je ne le garde pas. Hein. Ça, c'est un petit masque. Je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si je peux le mettre comme ça. Non, ça ne sert à rien. Voilà, je vais le mettre là. Ensuite, en
suite. Je vous explique. Ça, d'habitude, je le garde, mais franchement, ça me prend trop de place, quoi. Et quand mon fils y vient, je lui donne... si je m'en garde rien. Quand mon fils y vient, je lui donne toujours. Ça, j'ai acheté ça, c'est une grosse connerie, c'est pour les masques. J'en ai acheté plein, ça ne sert à rien. Voilà, ça, c'est par terre. Ça, c'est une petite lingette. Ça, ça peut toujours servir pour attacher quelque chose, c'est du scratch. Voilà. Ça, c'est mon ami Tchachito qui m'a offert. Bref, alors. Ça vient des États-Unis. Voilà. Là, j'ai mis une caisse parce que je sais qu'Ivy, elle va y aller dedans. Là, j'ai mon sable pour Ivy. Alors, du coup, les petits vernis que je vais mettre là, vous allez voir, après, ça va vite prendre tournure. Ici. Mais ici, je commence à plus avoir de place. Donc, le rangement... il faudra que je le réorganise, mais ça va quand même. Je ne montrerai pas parce que c'est le bordel. Enfin, c'est pas le bordel, mais bon. Ben voilà, c'est là que je vais ranger. D'accord? Je vais essayer là, c'est rangé. Voilà. Ici, c'est les parfums, les produits que j'ai. Là, tout derrière, il y a toutes les palettes. Mais il faut que je les trie parce que ça ne sert à rien de garder des palettes qui sont plus bonnes, hein. Voilà, tout ça, c'est les palettes. Mais comme je les ai achetées il y a plus d'un an, pour l'instant, je les mets là. Voilà, elles sont derrière. Là, ici, c'est les cotons. Les cotons, les mouchoirs. Donc, je les ai mis dans une ancienne pochette. Vous voyez, moi, franchement, il y en a qui pourraient dire, ouais, Sybille, elle est dépensière. Mais non, parce que je fais attention, j'ai été dépensière, j'ai acheté beaucoup de fringues. Mais là, vous voyez, regardez ça, ça date de je ne sais pas combien de temps. C'est vieux ça, je ne sais pas combien d'années. Voilà, comme ça, c'est organisé. Par contre, où là, c'est pas organisé, c'est là. Alors, on prend une pochette, d'accord? On prend une pochette. Ça, comme je vous ai dit, j'ai des petits trucs pour mettre là, ok? Je ne suis pas maquillée encore, chérie. Ok, alors. On y va. Ce sont des masques noirs. Hop, je ferme la boîte. Bon, ça me saoule. Voilà. Là, les masques sont là. Ceci, c'est un... C'était au début, hein. C'était pour le travail. Ça, c'est vide. Ça, c'est des gants. Parce que, voilà, je préfère acheter des gants. Ça, c'est d'autres gants. Parce que bon, ils sont pas terribles, hein, ceux-là. Hein. Ils sont gros, ils sont pas terribles du tout. C'est plutôt pour le ménage, mais bon. Voilà, j'ai des gants. Ça, c'est des masques FFP2. Je vais vous montrer. Voilà, les masques FFP2. Comme je suis asthmatique. Et j'en ai d'autres, mais. Comme je ne sors pas beaucoup, hein, alors ça va quoi. Allez. Hop, voilà. Et j'ai cela. En FFP2. Ah, j'ai que des masques FFP2 en fait. Voilà. Mais quand il y a le livreur qui vient ou quelqu'un, je mets le masque noir. J'en ai plus. J'en ai plus, il est comme ça. J'en ai plus qu'un. Voilà. Ensuite, ça va aller ailleurs. C'est du stérogile. C'est pour mettre dans les yeux. Oh là là, alors moi qui croyais qu'il n'y avait pas de dentifrice, ma réserve, elle est là. Vous voyez, ça, c'est pas bien. Il ne faut plus que j'en achète. Regardez, je prends que du vademecum fluor et plante. Voilà. Et j'en ai, franchement... C'est abusé. Honnêtement, c'est abusé. Voilà, ça c'est ma réserve. Je la réorganiserai un peu mieux. Parce que là, j'ai tous mes parfums que je pourrais mettre là d'ailleurs. Puisque j'en ai plus besoin. Pour l'instant. Les parfums que je mets tout le temps, ils sont pas là. Voilà. Ensuite. Du coup, voilà, maintenant on a organisation.
Voilà. J'ai plus beaucoup de réserve, hein, comme vous pouvez le constater. Là, c'est mon make-up. Ok. Ensuite, tout ça, c'était pharmacie. Ça, c'est dissolvant. Et ça, c'est pharmacie. Voilà. C'est les pansements, c'est les pinces, c'est les trucs à tic. Voilà, c'est la boîte à pharmacie. Ça me suffit, hein. Je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Hop, et on y va. On est quoi ? On va finir celui-là. Vous voyez, hein, on est ensemble. On est ensemble. J'espère un jour déménager, mais c'est pas d'actualité parce que voilà. Mais je me plains pas. Hein. Je suis contente d'avoir un appartement. Vous savez, moi une fois j'ai eu des gros problèmes. Hein. J'ai jamais été demander à mes abonnés quoi que ce soit. Quoi. Je le ferai jamais. Jamais. D'ailleurs, je vais vous dire, je ne donne même pas mon adresse. Rien un peu. Hein. Alors, ensuite. Tout ça, c'est les masques. Voilà. Comme ça, c'est l'organisation, c'est les masques. Maintenant, moi, j'ai absolument besoin de ça, mais je vais me servir de ça que je n'utilise pas. Alors, allez, rebelote. Sparadrap. Antitique. Sparadrap. Ah, ça, c'est des gants. Voilà. Ça, c'est des trucs que j'avais achetés. Voilà. Et voilà. Franchement, c'est des trucs que j'utilise pas, mais que je garde quand même. Coton. Bon, je le mets là quand même parce que j'en ai acheté un. Voilà. Ah, peut-être je vais vous conseiller un médecin, un bon médecin, je ne sais pas. Centre paramédical de sport. Ah bah oui. C'est là où je fais mon hyperventilation. Bon, ben déjà, vous voyez, hop, maintenant on a... Ah oui, j'ai eu une commande hier qui est arrivée très tard. Alors ça, par contre, c'est tous les trucs emballage. Pour l'instant, je les mets là parce que je ne sors pas beaucoup. Je les ai mis ici. Ensuite, ben ensuite, je vais vous montrer. Hein. Bon, faut que j'aille me maquiller. On fait un vlog, hein. Ça va durer 3 heures un vlog chez moi. Voilà. Et puis là, on va mettre ça comme ça. Avec le petit. Voilà. Alors, je vous montre. Alors voilà, je vous montre. Ici, c'est une petite caisse pour mettre. Ben, Evie, elle va dedans, je pense. Voilà. Ici, ça, c'est mes pinceaux. C'est des. Les démaquillants, le papier toilette, mes petites réserves. J'ai plus beaucoup de réserves. Hein. Mes gants, surtout, j'ai des gants. Voilà, ici. Ça, je vais l'emmener parce que je vais le trier. Ça, c'est ma clim. Bah, on a besoin d'un clim, même si c'est un petit appartement comme ça, parce qu'on est en plein soleil. J'espère que le petit rangement vous aura plu. J'ai mal au dos. Voilà, bah écoutez, c'est une petite organisation. Après, je voulais faire un vlog, vous montrer ma journée, mais c'est pas possible, ça va durer 3 heures. Donc, 10 ans même. Donc, voilà, je vous fais juste ce petit rangement, comme ça, de make-up et tout ça. Et puis, je vais me maquiller, je vais me préparer. Voilà, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ciao, bye bye, je vous montre le rangement. Je vous le montre une dernière fois. Voilà. 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 Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il ne faut pas croire, mais ça prend énormément de temps. Voilà, voilà. Abonne-toi et active la cloche.